Alors, mesdames et messieurs, je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation à ouvrir ce colloque Lebrun avec une communication consacrée au grand escalier de Versailles, plus connu sous le nom d'escalier des ambassadeurs. Ce décor, détruit en 1752, demeure l'un des plus célèbres de l'artiste, avec celui de la Galerie des Glaces, bien sûr. Il a connu une fortune exceptionnelle dès son achèvement en 1679, grâce aux nombreuses descriptions et aux estampes qui en ont gardé la mémoire visuelle, en particulier le recueil édité par Louis sur Hugues entre 1721 et 1728, qui était largement diffusé dans les cabinets de toute l'Europe. L'escalier des ambassadeurs occupe également une place importante dans l'historiographie. Le catalogue de l'exposition commissionnée par Bénédicte Gady à la Caïcha sur les cartons de Lebrun dresse un véritable état de la recherche tout en ouvrant de nouvelles perspectives, tant en ce qui concerne les étapes que le fonctionnement du chantier, ainsi que le problème de l'architecture et justement de la gravure. Ces dernières années, c'est essentiellement l'iconographie qui a fait l'objet de travaux, en particulier par Gérard Sabatier, par Nicolas Milovanovic, par Thomas Kirchner aussi. Et j'aimerais pour ma part m'intéresser à un aspect davantage négligé, qui est celui de la réception de l'escalier des ambassadeurs, dans laquelle il me semble que Lebrun a joué un rôle tout à fait déterminant. En effet, son nom a presque complètement élagué justement celui des architectes ayant participé à son invention, à savoir Louis Levaux, François Dorbet et peut-être Jules Hardouin-Mansart. Son originalité en France, tant par sa typologie, un escalier à rampe double opposée, que par son éclairage zénital, par une verrière au centre du plafond, témoigne pourtant d'une élaboration singulière de l'architecture. Par ailleurs, Lebrun n'a été associé que relativement tardivement à ce chantier. Dès lors, deux questions principales se posent. Comment Lebrun s'est-il approprié l'escalier des ambassadeurs, au point d'en être considéré comme l'auteur dans son ensemble? Et comment se traduit l'emprise de Lebrun sur le chantier en termes de réception? Pour répondre à cela, il convient d'examiner précisément les enjeux qui président à la production d'un escalier royal peint, à la fois pour Lebrun et pour la couronne, avant d'analyser les sources qui permettent de mieux cerner l'implication du premier peintre dans sa réception. Cette réflexion mène également à s'interroger sur la distance entre la réception de l'œuvre de Lebrun in situ et celle en deux dimensions comme monument de papier. Jusqu'à présent, la singularité du choix d'un décor peint pour l'escalier des ambassadeurs n'a guère été soulignée ni véritablement questionnée dans l'historiographie. Pourtant, en 1675, date à laquelle le nom de Lebrun apparaît pour la première fois dans les comptes des bâtiments du roi pour ce chantier, aucun escalier princier français, ni même européen, ne comportait de décor peint. Aux Tuileries, Louis Levaux avait construit entre 1664 et 1668 un nouvel escalier pour remplacer la grande vis de Delorme. Son décor, comme en témoigne un dessin du XIXe siècle que vous voyez à l'écran, montre que ce décor était particulièrement dépouillé. En revanche, sa typologie, une rampe simple donc se doublant au niveau du repos par des rampes parallèles à 180 degrés, était originale et ambitieuse. L'effet voulu était alors de provoquer chez le spectateur un effet général d'émerveillement, comme le rappelle Tessin dans son traité de la décoration intérieure, qui dit: en Italie, l'on ne pointe point les escaliers afin que plus qu'on entre dans un appartement, ils paraissent d'autant plus riches. Il fallait bien sûr aussi respecter la convenance d'une résidence royale dans la capitale en proposant malgré tout un accès à sa mesure. Aussi, lorsque Levaux dessina vers 1668-1669 les premiers projets d'escalier permettant d'accéder à l'appartement du roi à Versailles, il adapta un parti moins ambitieux qu'aux Tuileries en proposant une forme d'escalier d'angle de taille restreinte, à volet simple, mais adapté à une demeure de plaisance. À sa mort le 11 octobre 1670, François Dorbel remplaça dans ses fonctions sans pour autant être officiellement nommé premier architecte du roi.
et une nouvelle typologie constituée d'une rampe simple doublée au niveau du palier central par deux rampes opposées fut adoptée. Alors, si son invention pose des problèmes d'attribution, comme l'a souligné Alexandre Gady, elle rappelle en tout cas la proposition d'un escalier monumental faite par Perrault vers 1672 pour le Louvre. Celui-ci ne comportait pas non plus de décor peint et n'avait pour ornement que des reliefs au-dessus des portes, tandis que le plafond, lui, restait simplement orné de rosettes et de caissons. Cet escalier ne fut finalement pas construit, mais sa forme était identique à celle finalement choisie à Versailles, demeure qui gagnait alors de l'importance aux yeux du roi. Alors, son implantation dans la distribution était cependant moins évidente qu'au Louvre, puisque la cage était moins vaste et l'éclairage possible uniquement par le plafond, puisque l'enfilade de l'appartement du roi empêchait des ouvertures sur le mur nord, tandis que la petite galerie de l'appartement de Madame de Montespan obstruait, elle, le mur sud. L'éclairage zénithal, solution tantôt jugée bizarre, tantôt exemplaire, privait la peinture de sa surface privilégiée, le centre du plafond, pour ne lui laisser que les voussures, contraintes supplémentaires qui ne prédisposaient donc pas nécessairement à l'adoption de la peinture comme décor. Cette solution fut pourtant celle envisagée, mais sans doute pas avant 1675 et non en 1674, comme on le lit régulièrement dans l'historiographie, du moins je le pense. En effet, l'analyse des comptes des bâtiments du roi indique que la recette des années 1672, 1673 et 1674 prévoyait des crédits pour des décors de stuc et de sculpture, mais pas de peinture. En janvier 1675, seuls 30 000 livres étaient prévus, je cite, pour continuer les ouvrages du grand escalier. Somme qui était bien inférieure aux 92 000 livres de l'année 1674, destinés à divers travaux de marbre, de stuc, ainsi qu'à la réalisation de piédestaux pour y placer des figures captives. Or, le 18 septembre 1675, un paiement de 1024 livres est fait à Anguier, je cite, « pour avoir mis au net plusieurs dessins d'après M. Lebrun pour le grand escalier ». Ce qui montre un changement d'orientation dans la commande. S'agit-il alors du dessin seulement de parties sculptées ou de peintures ? Dans tous les cas, en 1676, la recette prévoyait 20 000 livres pour les ouvrages de peinture et de dorure. L'adoption d'un décor peint avait des conséquences multiples, à commencer par un coût moins élevé que des travaux de marbre, bien sûr, ou de sculpture, si on faisait une solution favorable, finalement, dans des circonstances économiques difficiles. La peinture permettait surtout de donner davantage d'ampleur au lieu, en l'absence de fenêtres, grâce à la quadratura, procédé employé par Lebrun sur les parois et les voussures. Nivelon écrit en effet que, je cite, « rentrant dans les ouvrages ordinaires, le projet de l'escalier de Versailles fut fait et commencé dans le temps que M. Lebrun travaillait à la chapelle de Sceaux, qui était un lieu fort resserré et ingrat à donner la facilité d'en faire un bon sujet, si l'art n'avait suppléé tant pour la lumière que pour rendre ce lieu spacieux et vague tel qu'il se voit présentement ». Outre cet agrément visuel, l'emploi de la peinture introduisait aussi une dimension historique dans ce lieu qui constituait l'entrée du logis royal. Il fut décidé pour la première fois dans un plafond sous le règne de Louis XIV d'y représenter l'histoire du roi, non seulement sur les parois, à travers les vues de bataille remportées par le roi pendant la guerre de Hollande, peinte par Van der Meulen pour la partie centrale, mais aussi autour de la verrière, sous forme de relief fin de lapis sur fond d'or, au-dessus des divinités qui peuplaient les voussures, à savoir Minerve, Apollon, Hercule et les Muses, qui étaient mêlées dans les écoinçons à des allégories et des vertus royales nécessaires au bon gouvernement, et qui surmontaient dans les angles des rostres de navires, tandis que les termes des 12 mois de l'année rythmaient toutes ces figures autour de la voûte. Contrairement à la galerie des glaces, le roi n'était pas, à proprement parler, représenté par la peinture, mais par un autre médium imité par la peinture, à savoir la tapisserie et la sculpture.
ce qui permettait une distance convenable dans la perception de la figure royale, convenance renforcée par l'emploi du costume à l'antique dans les reliefs fins de la voûte. Je pense que la décision de représenter l'histoire du roi, largement donc commentée dans l'historiographie, a pu être un facteur déterminant pour faire travailler Lebrun non comme ordonnateur, mais véritablement comme l'auteur de ce décor. Pour en mesurer l'importance en termes de réception, il convient, je crois, de s'interroger sur sa nature et son statut. Les sujets et leur traitement s'apparentent fortement aux architectures éphémères élaborées pour les entrées royales, ce qui se justifie d'ailleurs pour un tel lieu. Celles-ci étaient destinées à éblouir, mais aussi à devenir des monuments grâce aux estampes et aux descriptions qu'elles devaient susciter. Le décor de l'escalier des ambassadeurs peut ainsi, à mon sens, être comparé à celui de l'entrée de Louis XIV et Marie de Médicis, et Marie-Thérèse à Paris le 26 août 1660, pour laquelle Lebrun avait édifié un arc de triomphe sur la place Dauphine, ce qui constituait la dernière étape du parcours royal. Comme dans l'escalier des ambassadeurs, le peintre avait représenté le roi, ici accompagné de la reine, mêlé à des allégories célébrant leurs vertus sur une tapisserie en trompe-l'œil. Bien qu'il ne s'agissait pas ici donc d'évoquer finalement l'histoire d'un règne qui commençait tout juste, Félibien écrivait cependant, je cite, « que l'on aurait encore pu représenter sur cet obélisque les belles actions que notre grand monarque a faites depuis qu'il est monté sur le trône de cette monarchie. Mais combien eût-il fallu de peindre de combats donnés, de villes gagnées et de victoires emportées par terre et par mer ? Et il semble que son nom de paix doive effacer toutes ces images glorieuses. » Ainsi, la célébration de l'histoire d'un règne était alors rendue possible et convenable par le caractère éphémère de la représentation, mais aussi et surtout par le support fin. Le projet évoqué par Félibien correspond d'ailleurs exactement à celui finalement du décor de l'escalier des ambassadeurs, à savoir célébrer les récentes victoires du roi, et c'est au fait dans un registre essentiellement militaire. Les descriptions soulignent d'ailleurs la conception festive du décor, celle du Mercure galant du mois de septembre 1680, qui est la première en date, précise que l'escalier, je cite, « est embelli de cette manière pour représenter un jour de fête où les divinités du Parnasse sont assemblées pour recevoir le roi à son retour de la guerre ». Pour Nivelon, il s'agissait même de célébrer un événement précis, puisqu'il écrit « Le sujet général est composé sur ce qui arriva en ce temps, qui est ce fameux combat naval donné près de Messine par les Français contre l'armée navale d'Espagne et de Hollande, où le grand amiral Reuter finit glorieusement sa vie, et le tout y paraît comme une fête ou une réjouissance publique. La victoire française sur la flotte néerlandaise a eu lieu le 29 avril 1676, c'est-à-dire au moment où commençait juste l'exécution du décor sous la conduite de Lebrun, et donc après l'implication de Lebrun dans les premiers dessins. Nivelon a voulu ici faire allusion au rostre représenté dans les écoinçons, même si ceux-ci ont pu être pensés plus en amont. Toujours est-il que l'invention des sujets a dû être très rapide, eu égard à la date des événements représentés, puisque les batailles peintes par Van der Meulen ont toutes eu lieu en 1677, alors même que les travaux de peinture avaient commencé. Il fallait donc être susceptible de travailler vite pour s'adapter à l'actualité. Bénédicte Gadi a d'ailleurs montré récemment que des modifications pouvaient se faire jusqu'au tout dernier moment sur le plafond, alors même que le carton à grandeur était exécuté. Alors, tour de force artistique, ce lieu conçu comme un décor éphémère permanent, finalement, destiné à être non seulement admiré, mais aussi diffusé, et où le nom de Lebrun était lié à la gloire du roi, présentait pour le premier peintre, je pense, des enjeux particuliers. La description du Mercure indiquait en effet que Lebrun, je cite, « a travaillé pour les siècles à venir en leur laissant ce grand monument des surprenantes actions du roi que les graveurs auront soin de faire vivre par leur burin ». Comme premier peintre, il fallait aussi, pour Lebrun, prendre les pinceaux dans la demeure qui prenait de plus en plus d'importance aux yeux du roi, au détriment de Paris. Avant l'escalier des ambassadeurs, il n'avait pas travaillé lui-même dans les intérieurs du château de Versailles, bien qu'il ait dessiné dans les jardins, notamment le parterre d'eau.
Au début des années 1670, Colbert avait souhaité davantage développer le Louvre et les Tuileries et n'envisageait pas que Versailles devienne la première résidence du roi et de la cour. Ainsi, vers 1670-1672, alors que l'escalier était en cours de construction, le Brun était davantage occupé à la galerie d'Apollon et sur le chantier de l'appartement du roi aux Tuileries. Malgré ses prérogatives de premier peintre, il avait même laissé, comme le précise scrupuleusement Nivelon, les peintres de l'Académie libres de l'invention des plafonds peints de l'appartement du roi. En termes de cérémonial, les pièces les plus importantes étaient alors, en l'absence d'une galerie, la chapelle et l'escalier. Ce n'est donc pas un hasard si Lebrun entreprit, je pense, parallèlement l'invention de ces deux décors en 1675. Le premier s'est avéré finalement un échec puisqu'il ne fut jamais exécuté. Le second revêtait donc une importance d'autant plus grande pour le premier peintre qui semble avoir cherché à en soigner véritablement sa réception. Je crois que l'analyse des sources ayant diffusé le décor de l'escalier d'ambassadeur entre 1679 et la fin des années 1680 suggère une forte implication, voire un contrôle de Lebrun dans sa réception, ce qui peut s'expliquer par les enjeux que cette œuvre représentait pour lui et que j'ai pu vous présenter. Le Mercure Galant a été chronologiquement, je l'ai dit, le premier, mais aussi le principal support de diffusion du décor de l'escalier d'ambassadeur avant que les estampes de la voûte, qui ont été gravées par Baudet sur ordre du roi, soient publiées. Dès l'achèvement des peintures, en août 1679, le périodique relate en effet la visite du roi sur le chantier en compagnie de l'ambassadeur d'Espagne venu négocier le mariage de Marie-Anne d'Orléans avec Charles II. Alors, il écrit « On entra par le parc et on descendit à la grotte où la reine resta avec les dames pendant que le roi mena monsieur l'ambassadeur voir l'escalier qu'il avait fait d'échafauder et entièrement découvrir. Je ne vous puis exprimer la surprise que causèrent toutes les beautés qu'on y découvre. » Sa Majesté même, qui n'avait pas vu le tout ensemble si achevé, l'admira, et donnant mille louanges à M. Lebrun, elle montra à M. l'ambassadeur comme l'auteur de ce magnifique ouvrage. C'est en effet un chef-d'œuvre d'architecture, de sculpture et de peinture. Tout y marque les conquêtes du roi avec beaucoup d'ordre, et ceux qui l'ont vu demeurent d'accord qu'il n'y a rien de plus beau dans toute l'Europe. Donc ce passage, souvent cité, assurait ainsi une publicité, je pense très importante au premier peintre qui est présenté comme le seul auteur de l'œuvre, finalement, architecture, sculpture et peinture, auteur au sens donné par Furtière, c'est-à-dire celui qui a créé ou produit quelque chose, qui n'a pas pris son ouvrage d'un autre, qui l'a mis au jour. Donc, invention, exécution, presque. Les articles du Mercure Galant, parus dans les mois suivants, ont encore renforcé cette image d'autorité de Lebrun sur l'ensemble du lieu. La description de septembre 1680 développe longuement et avec précision l'architecture, mais sans évoquer de nom, alors que le patronyme de Lebrun, lui, est cité 5 fois en quelques lignes et ses qualités personnelles longuement louées après l'explication des sujets de peinture. Par la suite, le Mercure a continué à mentionner presque systématiquement Lebrun dans les relations d'ambassade. Ainsi, dans le numéro de mai 1680, il est indiqué que les ambassadeurs moscovites, je cite, « furent reçus au bas du superbe escalier qu'on doit au vaste génie de M. Lebrun ». Les sangs suisses du roi étaient en haie des deux côtés de l'escalier et les couleurs de leurs habits mêlées à celles des peintures faisaient un effet très agréable, donc une insistance sur la qualité de l'exécution de Lebrun. Il en est de même en août 1682, une anecdote plus détaillée fait mention d'une rencontre justement entre le premier peintre et l'ambassadeur d'Alger. Il est écrit que l'ambassadeur traversa ensuite tout le reste de l'appartement par lequel il n'avait point encore passé. La foule y était si grande qu'il ne put y remarquer qu'un nombre infini de monde. Il descendit par le grand escalier dont la beauté le surprit si fort qu'il ne put s'empêcher d'en témoigner de l'étonnement. Monsieur Lebrun s'y rencontra par hasard. On dit à l'ambassadeur en lui montrant que c'était lui qui avait fait cet escalier.
Il répondit qu'il n'avait pas besoin de voir sa personne pour l'admirer et qu'il lui suffisait de voir son ouvrage. Donc le caractère récurrent et détaillé des allusions à l'œuvre de Lebrun dans l'Escalier des ambassadeurs pose la question de son implication personnelle dans la rédaction de ces articles du Mercure. Même si, à ma connaissance du moins, aucun lien avec son directeur Jean Donaud Vissé n'est attesté, enfin n'est documenté. Alors qu'il le connaissait ou non, Lebrun était digne de figurer dans ce journal, destiné surtout à la cour. Dans les années 1670, son statut s'était considérablement renforcé, ce qui transparaît dans les témoignages livrés par le même journal, où il ne semble guère inconvenant donc que le peintre s'entretienne avec un ambassadeur. En mai 1679, c'est-à-dire 2 mois avant que Lebrun présente le décor achevé de l'escalier des ambassadeurs au roi et à l'ambassadeur d'Espagne, il recevait, comme l'a rappelé d'ailleurs Gaël Lafage, le prince de Condé, le duc de La Rochefoucauld et d'autres grands seigneurs de la cour dans sa maison de Montmorency, donc à l'occasion d'une fête, d'ailleurs décrite dans le Mercure. Les articles mentionnant l'escalier des ambassadeurs, qui mettaient en scène le peintre courtisan, constituaient donc une publicité d'autant plus importante que l'estampe de Baudet, commandée par la surintendance dès l'achèvement du décor, mais n'était toujours pas disponible en novembre 1686, donc selon un autre article du Mercure. Comme l'a proposé Jean-Gérald Castex, elle a dû paraître seulement cette estampe vers 1689-1690, à la fin des années 1680. Et cette estampe, qui est la première représentation d'un plafond royal français en gravure, et la seule aussi sous le règne de Louis XIV, se concentrait sur la voûte, et par son caractère monumental, donc 8 planches qui tout ensemble font 9 pieds de long, tâchait de rendre, je crois, l'effet du décor, avec les explications des différentes figures. La planche centrale, donc à l'emplacement de la verrière, était réservée à une description générale de l'ensemble du lieu, notamment de l'architecture, et précisait que, je cite, « le dessin de tout l'ouvrage est de M. Lebrun, donc écuyer, premier peintre du roi, et toute la peinture est à fresque et de sa main, donc excepté la bataille de Cassel et la prise de ces 3 villes, qui sont peintes par le sieur Van der Meulen. » Ainsi, donc, en se concentrant sur les figures, c'est l'œuvre de Lebrun finalement qui était mise en avant, l'architecture n'étant évoquée que dans la lettre, et la paternité lui étant attribuée, si je puis dire. Contrairement au recueil publié par Surugue, donc entre 1721 et 1728, qui comprenait aussi une description d'ensemble, plus longue, et qui représentait l'architecture, l'estampe de Baudet semble, elle, entièrement consacrée à la gloire du premier peintre. Les sources immédiatement postérieures à sa mort sont en revanche plus mesurées. La description manuscrite faite par Félibien en qualité d'historiographe des bâtiments du roi au moment de l'achèvement du décor ne mentionne pas le nom de Lebrun, en se contentant d'un impersonnel le peintre. Mais cette description n'a été publiée qu'en 1703, dans la description sommaire de Versailles ancienne et nouvelle, presque sans variante, en ajoutant simplement la mention Lebrun en marge. Dans son guide de Versailles, paru en 1701, Pigagnol précise quant à lui que cet escalier a été peint par M. Lebrun, sans lui attribuer l'ensemble de l'œuvre. Guillet de Saint-Georges s'est attaché aussi à préciser le contour de l'invention du premier peintre, lors de la lecture de la deuxième partie de son mémoire historique des ouvrages de M. Lebrun, lu le 4 juillet donc 1696 à l'Académie. M. Lebrun eut soin des peintures et des ornements de sculptures qu'on y voit, tout en citant donc après le nom des sculpteurs ayant participé. Mais ce texte n'était donc pas destiné véritablement à être diffusé hors de l'institution dans laquelle se trouvaient des artistes ayant participé au chantier. L'attention portée par Lebrun à la réception de son ouvrage a porté ses fruits, puisque le nom de l'architecte n'a jamais été diffusé, à l'exception de celui de Mansart. En effet, celui-ci apparaît pour la première fois en 1695 dans La vie de Jean-Baptiste Colbert par Gatien de Courtil de Sandra, où il est écrit que, je cite, « toutes les peintures sont de Lebrun et l'escalier du dessin de Mansart ». Florent Lecomte, dans son cabinet des singularités, paru entre 1699 et 1700, reprend aussi cette information.
En effet, il loue les réalisations de Lebrun à Versailles, notamment, je cite, « les singulières actions de Sa Majesté qu'il a représentées dans ce grand escalier, qui est aussi l'une des plus fameuses productions de l'architecture de défunt Monsieur Mansart ». Alors, il fait ici allusion à François Mansart, défunt, hein, mort en 1666, et non au surintendant, ce qui n'est guère possible au regard de la chronologie du chantier. Ce dernier ouvrage porte une dédicace à Jules Hardouin Mansart, ce qui pourrait justifier cette attribution. Si, dans l'historiographie, François d'Orbais est considéré comme l'auteur de l'architecture, son nom, ni celui de Levaux, ne figurent finalement dans les sources anciennes, ce qui est facilité aussi, je dirais, par l'absence de premier architecte au moment où Lebrun arrive sur le chantier. Force est de constater que, par leur caractère multiple, les sources permettant de cerner la réception d'escaliers des ambassadeurs et le rôle joué par Lebrun posent des problèmes d'interprétation, liés également, je crois, aux usages du lieu. L'escalier des ambassadeurs était beaucoup moins visible que la galerie des glaces, puisqu'il ne semble avoir été accessible que pour de grands événements, à savoir des audiences, des délégations étrangères, bien sûr, mais aussi des fêtes et des concerts. Ainsi, l'architecte allemand Leonhard Christoph Sturm n'a pas obtenu l'autorisation d'y pénétrer lors de son voyage en France en 1699, comme il le rapporte dans ses Reisebemerkungen. Les peintures de Lebrun étaient donc paradoxalement difficiles à voir in situ, ce qui renforçait l'importance des descriptions et des estampes disponibles. Elles nécessitaient par ailleurs un entretien régulier, tout comme la verrière, comme l'indiquent des paiements concernant des opérations de nettoyage dès la fin des années 1690. De plus, le marbre pouvait rivaliser avec elle par son abondance et sa polychromie. Par ailleurs, les peintures de Lebrun ont dû rapidement perdre de leur sens, à mesure également que l'escalier était de moins en moins utilisé au profit du degré de la reine situé en face. Cela pourrait justifier l'existence dès 1728 d'un projet de destruction mentionné dans la clé du cabinet des princes. Je cite, « Il y a un projet pour faire dans ce château une salle des ambassadeurs à la place du grand escalier, en conservant toutes les peintures et l'architecture de marbre qui sont de plein bien plaies à l'appartement du roi. Le bas servira de salle pour les gardes et on fera un autre grand escalier du côté du portique de la chapelle où seront employés les balustrades de marbre, les degrés et les pilastres de bronze doré qui servent au grand escalier d'à présent. » Si le décor de Lebrun était épargné, c'était sans doute davantage pour des raisons pratiques et économiques, je pense, plutôt qu'artistiques. Il suffisait alors de construire un plancher, tandis que le marbre serait remployé. 1728 marquait aussi l'achèvement du recueil de gravures de Surugue qui fixait le monument pour la postérité. La souscription du corps d'architecture française de Blondel, parue dans le journal Les Savants d'avril 1751, annonçait de nouvelles planches qui représentent la chapelle du roi, la grande galerie et l'escalier des ambassadeurs à Versailles. Mais finalement, ni la galerie ni l'escalier n'ont figuré dans l'ouvrage paru entre 52 et 56. Massé, après 30 ans d'entreprise, avait finalement publié son estampe de la galerie et l'escalier avait été détruit entre-temps. Pour conclure, l'escalier des ambassadeurs a donc occupé une place tout à fait singulière dans la carrière de Lebrun. Profitant de sa position majeure au tournant des années 1680, tant dans le monde des arts qu'au sein de la cour, et en l'absence de premier architecte au moment de la construction de l'escalier, il a cherché particulièrement à le diffuser. Premier décor de l'artiste dans le château de Versailles, le premier de ses plafonds à être gravé, même s'il n'a été disponible que peu avant sa mort, il a été pour lui un relais important de sa propre fortune, à la fois pour la prouesse technique qu'il représentait et pour son sujet aussi, l'histoire du roi. Seule la Galerie des Glaces a dépassé jusqu'à aujourd'hui ce statut dans l'œuvre de Lebrun comme peintre de grands décors. Sa visibilité dans des conditions toujours exceptionnelles, son accès restreint et in fine sa destruction ont surtout contribué jusqu'à aujourd'hui à nourrir l'imaginaire à travers les estampes et les descriptions, évoquant un lieu magnifique mais qui pouvait pourtant dans la réalité décevoir. Le cas de l'escalier des ambassadeurs éclaire surtout sur les ambitions d'un premier peintre alors au sommet de sa carrière et l'efficacité des moyens qu'il a mis en œuvre pour poursuivre son ascension à la fois artistique et sociale au service du roi. Je vous remercie pour votre attention.